qu'un pays est en paix ou alors un pays est en guerre. Et vous avez le choix, le 7 octobre, soit de laisser passer cette opportunité et rester dans la misère encore 7 ans, ou alors dire que cette fois-ci, on ne va pas voler votre élection et on change les choses pour que pendant 7 ans, on reprend notre pays parce que c'est notre pays. Ceux qui font en sorte que les élections changent le jour de l'élection, ils sont pires que ceux qui volent vos habits. Je crois que quand finir comme ville, parce que quand il est arrivé au pouvoir, cette ville était une grande ville, n'est-ce pas? Quand il est arrivé au pouvoir, marché où la demande est telle que les investissements suivent pour que la production puisse suivre, et ensuite ça crée donc un pouvoir d'achat privé qui augmente, mais quand cela se passe, l'assiette fiscale augmente aussi, et ça veut dire que in fine c'est l'État qui devient plus riche. En augmentant le salaire minimum, c'est l'État qui bénéficie le plus parce qu'il y a plus d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et n'ayez pas peur, je ne suis pas un colon. Les colons qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent garder le pouvoir pour payer les gens 36 000 francs par mois. Aucun Camerounais ne mérite de travailler pour moi. La pluie qui s'est abattue ce matin dans la cité balnéaire de Kribi n'a pas permis la tenue sur cette place des fêtes du meeting de lancement de la campagne du RDPC dans le département de l'Océan. La salle des fêtes va s'avérer étroite pour contenir cette marée humaine venir dire oui aux candidats de la force de l'expérience. Jules Dorendongo, au-delà de sa casquette de ministre des Forêts et de la Faune, est le chef de la délégation départementale permanente du RDPC et président de la commission de campagne. Il est accompagné ici du professeur Joseph Owona et du ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libombli Linkeng. Le RDPC, c'est de barrer la voie au dominateur et aux marchands d'illusions et de conforter la place du président Bolivia afin de lui permettre de mettre en œuvre, tous ces projets qui sont déjà en place, certains déjà réalisés, d'autres en cours, et de permettre à celui qui a planté de récolter. Les artistes de la trame d'Otou Marcelin agrémentent le meeting. Au-delà de ce meeting, la ville de Kribi est pavoisée de posters de Paul Biya, candidat à sa propre succession et candidat sortant à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est ici, à la maison du parti de Bonanjo, que le ministre de la Justice, sous sa casquette de chef de la délégation permanente du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC pour le littoral, a officiellement lancé ce samedi 22 septembre la campagne électorale de ce parti dans cette région. Dans la perspective de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, ce meeting de lancement a regroupé les militants du parti des Flammes, certes, mais aussi les représentants des partis alliés au RDPC, comme Fritz Gore, président du mouvement des écologistes camerounais. Tous de braves hommes et femmes sont prêts à en découdre devant les urnes, sans brutalité, ni effusion de sang, et enfin applaudir le vainqueur. Pourquoi soutenir la candidature de son excellence Paul Biya? Sans chercher à nous justifier,
constat fait, la majorité des partis verts dans le monde soutient toujours le parti au pouvoir. Avis partagé par une coalition de 20 partis de l'opposition, baptisée G20, qui avait décidé de soutenir la candidature de Paul Biya en l'absence d'une candidature unique de l'opposition. Banda Kani est membre du G20. Oui, mesdames et messieurs, la campagne démarre aujourd'hui. Nous sommes ici pour ouvrir les hostilités contre nos adversaires. Si c'est très bon, on va l'oublier. Permettez-moi de nous rappeler. Nous sommes en guerre. Lutte contre Boko Haram, crise anglophone. Seul Paul Biya peut y trouver une issue définitive. Il faut donc le voter le 7 octobre. Appelle pour sa part Laurent Esso. Parce que nous n'avons plus le pouvoir, dit que nous devons aujourd'hui à lui apporter notre soutien. En tout cas, chers camarades, chers amis, vous le voyez bien, le président Paul Biya, notre candidat, est loin de la situation. Voter Paul Biya, c'est voter pour l'émergence du Cameroun. Voter Paul Biya, c'est voter pour la poursuite de la réalisation des grands projets structurels. Voter Paul Biya, c'est voter pour la paix et la sécurité nationale. Voter Paul Biya, c'est voter pour l'unité et la paix nationale. Voter Paul Biya, c'est voter pour un Cameroun prospère, juste et équitable. Chers camarades, chers amis, voter à nouveau pour Biya, c'est la garantie d'un certain de grandes opportunités. Après ces meetings de lancement de la campagne du RDPC dans le littoral ce 22 septembre, le Parti des Flammes annonce de grandes mobilisations dans toute la région du littoral au cours des deux prochaines semaines consacrées à la campagne électorale au Cameroun. Aucune maison, aucun quartier ne doit, dans le cadre de cette campagne électorale dans la région du Sud, être épargné de la visite des militants du RDPC afin de les convaincre de voter en faveur du candidat Paul Biya. Présidé par le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région du Sud, en présence des quatre chefs de délégation départementale de cette région, il aura été question ce jour d'accorder les violons pour une campagne de proximité qui répond aux spécificités de chaque département. De notre campagne de très grande proximité. D'avoir tout évoqué, la soutenabilité financière, la faisabilité technique, la division du travail, le retrait des cadres électoraux, de porte à porte, de corps à corps. Donc, nous sommes satisfaits. La parole a été donnée à chaque chef de délégation départementale afin que ceux-ci fassent état des dispositions prises dans leurs fiefs respectifs. Cette réunion aura également connu la participation des délégations de l'UNDP et du Cameroun People's Party venus apporter leur soutien au candidat Paul Biya. Des partis dont le chef de la délégation permanente du RDPC a demandé leur intégration dans l'opérationnalisation de la campagne électorale sur le terrain. Nous sommes en direct, Alpha Amadou, on vous reprend. D'ailleurs, vous êtes en ligne. Est-ce qu'on peut vous avoir, Alpha Amadou, déjà depuis Garoua, parce que c'est la phase réservée désormais à nos correspondants. Est-ce que vous pourrez nous faire le point depuis Garoua? Bonsoir, Alpha Amadou. Oui, bonsoir. Bonsoir à la rédaction. Alors, nous sommes ici dans la région. L'ambiance n'est pas comme vous le pensez. Le penser parce que le lancement du meeting de la campagne présidentielle 2018 s'est bien lancé. Alors le RDPC a invité les partis alliés qui sont l'UNDP et le FSNC. Alors l'ambiance est passée sur permanence de parti dans le calme parce que
désormais, c'est une vision unique. Alors, en ce qui concerne les partis d'opposition, aucun parti n'a encore pour le moment sorti le visage. Nous avons essayé de joindre le représentant du RMC qui nous a dit qu'il ne préfère pas dévoiler sa stratégie de campagne pour le moment. Également pour l'UPC qui nous déclare non partant. Alors nous avons des autres partis qui s'annoncent pour les prochains jours. Personne ne veut se... Avez-vous des nouvelles, par exemple, de l'ADD de Gagaman Hadji, dont on sait quand même qu'il est grandement implanté dans cette partie du pays, qui est par ailleurs candidat, il faut le dire? Justement, Gagaman Hadji, pour le moment, nous n'avons pas encore vu une annonce particulière, mais je crois que peut-être d'ici quelques jours, nous aurons la présence de l'ADD. Avez-vous des nouvelles du SIF, du Parti Univers, dont on sait également que le président est très implanté du côté du Nord? Des nouvelles, j'en oublie certainement, vous avez parlé du MRC, le jeudi Univers, le CNM de Franklin Dufort. MC. Ben, le pur de Serge Espoir Matomba. L'UDC de Adamou Ndamdjeya. Bon, tous ces partis ici, vraiment, n'ont pas pris corps. Le seul parti qui a essayé d'impressionner les populations, à mon avis, c'est le parti d'Akeremouna, parce que la présidente FDP a essayé de faire... Oui, alors je crois que pour le moment, voici les partis qui envisagent... Le FDP s'est-il déjà déployé là-bas? Le FPD. S'est-il déjà déployé? Est-ce qu'Akeremouna a déjà fait une descente depuis l'ouverture de la campagne de ce côté? Elle a pris la présidente de l'UPC qui s'est alliée, ouais, au nom de Habib Aïssa, qui est descendu sur les lieux, est allé à Mayo-Oulo, dans le Mayo-Louti, et qui a mené une annonce à la population avant le lancement du meeting, de montrer le candidat qu'il devait choisir. Voilà un peu... Alors ça, c'est depuis hier, c'est depuis 48 heures, parce que la campagne a démarré hier. Oui. Alors j'ai eu la présidente au téléphone qui m'a dit qu'elle sera là mercredi. Alors, peut-on avoir une idée du visage, si je peux le dire ainsi, de la ville? Par exemple, ici à Douala, on voit les effigies du candidat président, du candidat sortant, président de la République, un peu partout, des affichages qui déjà meublent la ville. Quel est le visage de la ville de Garoua ce soir? Alors, le visage de la ville de Garoua, je ne sais pas, l'équilibre n'est pas vraiment présent. Nous n'avons que l'effigie du rassemblement du parti du RDPC, le rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Ce n'est que l'effigie du président Paul Biya qu'on trouve dans les rues des artères de la ville de Garoua. Aucune effigie d'un autre parti d'opposition. Merci à vous, Alpha Amadou. Je ne sais pas, pour le moment, nous avons eu l'arrivée du ministre de la Communication qui nous promet un porte-à-porte, un grand meeting d'ailleurs. Je ne sais pas si je peux vous le passer en direct. Mais ce serait très bien. Ce serait bien d'avoir le ministre Issa Tirouma par ailleurs. Alors, voici le ministre. D'accord. Allô? Bonsoir, monsieur le ministre Issa Tirouma Bakari. Je rappelle que vous êtes soutien du candidat Paul Biya. Vous arrivez à Garoua à l'instant. Je peux soupçonner que c'est certainement pour accompagner la candidature de votre champion. Oui, vous avez deviné juste, il ne fallait pas Madame Soleil ou bien une boule de cristal pour deviner ce pourquoi je suis là, mais en vérité, j'ai accompagné le ministre des Arts et de la Culture qui m'a invité. Alors, on va rapidement essayer de retourner, avoir Alpha Amadou, rapidement. Alors, c'est le direct, les réalités du direct, on va l'avoir. Certainement que dans la bousculade, il y a une petite... aucun problème technique. Yep. Alors, la connexion, certainement, parce que c'est dans le vif qu'on a pu... avoir le ministre Issa Tirouma Bakari dont on est en direct.
avec lui du côté de Garoua. Est-ce qu'on pourra les avoir dans ce brouhaha? On espère bien pour avoir. Voilà. Allô? Vous m'entendez? Très bien, monsieur le ministre. Vous êtes à l'antenne. Allô? Vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Voilà. Alors, je disais, donc maintenant, il nous reste effectivement. Il y a un giga meeting que nous organisons le 1er octobre. Après, nous allons venir nous installer sur le terrain du porte-à-porte. Nous allons faire du porte-à-porte. Amener le citoyen à aller accomplir sa mission, son devoir, celui d'exercer le pouvoir à l'occasion de cette élection présidentielle. Voilà, en fait, c'est pourquoi je suis là. Mais une fois de plus, c'est quand vous aurez vu les images, quand vous aurez vu les images de notre méga meeting régional, que vous comprendrez la détermination de nos compatriotes dans cette partie de notre territoire à soutenir l'homme lion. Ce déploiement, vous le ferez en combien de jours? Mais écoutez, j'ai annoncé que le méga meeting aura lieu le 1er octobre. Et venez voir. Parce que ce sera un marqueur indélébile dans l'histoire des rassemblements humains. C'est ce que nous projetons, c'est ce que nous préconisons et nous souhaitons que l'Éternel entende nos prières pour les exaucer. Yes, Mr. Minister, you are back in your home region to launch campaigns and campaign for President Paul Biya. Can you tell us exactly how this campaign will be carried out in the North region from the perspective of your party? Well, as I said in French, first of all, we came just here to awaken those who were not aware of what is taking place, to enlighten those who have not yet realized that 7th of October, this will be a pivotal moment because the nation as a whole will decide as to who will preside over the destiny of the nation. I came here just to promote the book written by the head of state. I decided to accompany the Minister of Art and Culture. We arrived at the airport. The turnout was so huge, impossible to describe the amount of people who gathered in order to welcome their leaders, the chairman of the party, and also to honor the presence of the Minister of Art and Culture. The meeting, the mega meeting, the hyper meeting will take place the 1st of October. And then we will come back to settle here and to undertake the door-to-door campaign in order to sensitize people. I think that as far as my reading of the situation is concerned, as all politician, I can say that the game is already done, but we have to undertake door-to-door campaign to visit all of those who in one way or other are qualified to play the game. This is my assessment of the situation. Maybe I am anticipating. Okay, let the fact corroborate what I am telling you. Merci, hein, Issa Tchérouma Bakary. Merci beaucoup pour cette réaction instantanée en direct de notre émission Destination Etoudji, qui évidemment va nous accompagner jusqu'au 7 octobre prochain. Nos équipes sur place vont observer tout ce qui se fait là-bas et bien sûr, le compte rendu sera fait dans nos éditions consacrées. Thank you. Merci beaucoup. Merci. All right, thank you very much. On va peut-être prendre une réaction, un commentaire rapidement sur ce qui se fait avant de prendre nos autres correspondants. Jean-Didier Macon. Nous sommes également avec Abel Elimi Lobert. Et puis, Dream Seve Kilian. I hope I pronounce the name well. Yeah, you did. Une réaction rapide. Déjà, sur ce premier stop à Garoua, RDPC en mobilisation générale, un peu le mouvement Nantes qui accompagne Boyette. Oui, ma réaction est que la campagne vient de commencer. Et aujourd'hui, 2018 est différent. Il y a beaucoup de plateformes de communication et chaque parti aura sa stratégie. Et il est évident que tous les partis ne peuvent pas être présents au même moment, au même endroit, au même moment. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Vous avez parlé un peu des effigies, des plaques qui sont déjà placées partout. Je pense que l'élection présidentielle, la circonscription électorale, c'est la nation. Et la nation camerounaise est vaste. Donc, chacun a commencé là où c'est une stratégie. Chacun a sa stratégie. Je pense que c'est ce que nous vivons bien. À partir de... Vous avez commencé par Garoua,
J'espère qu'au cours de l'émission, on va essayer de voir ce qui s'est passé ailleurs. Avant de voir la réaction des autres, nous allons à l'ouest avec Flor Kenyé. Flor, bonsoir. Bonsoir, Dipita. 24 heures après le début de... 24 heures après le lancement de la campagne, lancement officiel, est-ce qu'on peut avoir le point du côté de l'Ouest Cameroun? Bien évidemment, trois faits ont marqué la campagne électorale à l'Ouest 23 septembre 2018. Le candidat Joshua Ozi, que nous avons suivi dans les moindres détails, dans son parcours marathon, a entamé son périple à Baham, chef-lieu du département des Hauts-Plateaux, ce jour. Village d'origine du candidat Maurice Kamto. Ici, une cinquantaine de personnes a répondu présentes à son meeting. À 500 mètres de là, les militants du MRC formaient leurs scrutateurs pour le 7 octobre prochain. Le RDPC et ses militants nous ont indiqué une rencontre avec le roi Baham dans sa chefferie pour jeter les bases de la campagne. Après cette étape, le port étendard du SDF a fait escale à Banja pour 10 minutes avant de se rendre à Bafan, chef-lieu du département du Hongkam. Ici, il faut le préciser, le responsable de la coordination départementale du parti de la Balance, qui visiblement n'a pas mobilisé assez de militants, signale que la concurrence est rude et que les moyens sont assez limités pour la campagne. Précisons que Bafan est connu pour être une zone quadrillée par l'Union des mouvements socialistes, mais également est la localité de base du MCNC, le parti ayant investi le candidat Franklin Afanoui. Le MRC également, que nous avons rencontré sur ce terrain, était en pleine sensibilisation, dit-il, pour les meetings publics prévus la semaine prochaine. À Banganté, le meeting du SDFI. Flor Kenyé. Été reporté. Selon Luc Wandi, l'un des Alors, il est fort probable qu'on ait des problèmes sur le réseau avec Flor. Flor, on vous reprendra certainement dans cette émission. Le temps pour nous d'avoir à présent la réaction de Abel et Elimi Lobin. Après Garoua, nous sommes allés à l'ouest. Elimi Lobin, réaction, vous dites? Je dois reprendre ce que j'avais déjà dit depuis hier, qu'une campagne électorale est un moment de communication où la compétition est une compétition de visibilité. On n'est pas en compétition sur autre chose que sur la présence sur le terrain. Et les correspondants que vous avez pu avoir, qui nous donnent le signal de ce qui se passe sur le terrain, rendent compte du très peu de visibilité regrettable des candidats de l'opposition d'une manière globale. Et surtout, vos correspondants nous rendent compte d'un ensemble d'activités dont on peut douter de la pertinence politique électorale. Parce que lorsque vous êtes en campagne électorale et que la stratégie consiste à passer dans une localité où vous vous arrêtez pour une dizaine ou une quinzaine, voire 30 minutes, et même peut-être une heure de temps, pour aller avoir une destination ailleurs. Eh bien, dans cette localité, on peut se demander si votre passage aussi éclair constitue un véritable effort de mobilisation, de persuasion des électeurs de la localité. Une seconde, je vous en prie. On va du côté de l'Est. Joseph Kemenyé, bonsoir. Joseph Kemenyé. Bonsoir, bonsoir au plateau. 24 heures après le lancement de la campagne, état des lieux à l'Est Cameroun. Bonsoir,
Bonsoir, bonsoir le plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de FTV. La campagne électorale a été effectivement lancée dans la région de l'Est hier samedi. Et c'est à travers un méga meeting, hein, jamais organisé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'Est. La maison des partis de Berthois a été archi-comble autour du président Bernard Ouangolo. On y retrouvait la querelle des élites de la région de l'Est, le ministre Lé, les anciens ministres et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques. Et vraiment, ça, c'était une foule infernale à la maison des partis de Berthois. Et aussitôt le meeting de Berthois a pris fin, la caravane s'est déferlée dans les 33 sections que compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que compte la région de l'Est. Alors, qui disait parti de l'opposition? Au niveau de l'opposition, on a l'impression que la région de l'Est est abandonnée. Hein. Déjà, on le signalait dans l'un de nos reportages il y a quelques semaines encore. Pendant la phase de pré-campagne, on n'a pas beaucoup vu l'opposition dans la région de l'Est. C'est vrai que le professeur Moïse Kanto est passé simultanément en provenance de la partie des patrons du pays. Il a fait une escale du côté de Yokadouma. Le pasteur Ndifor également, dans la provenance de la partie départementale FSKLC. Mais déjà, au niveau de la campagne électorale, proprement dit, il y a le RDPC, on l'a déjà signalé un peu plus haut. Il y a le professeur Moïse Kanto qui est annoncé demain dans la région de l'Est. Il entre par la top, qui fait escale à Bomban, à Doumé, avant de rallier Berthois dans l'après-midi aux environs de 15h pour un meeting est prévu. Le 28 déjà, le candidat du PUR, Pierre Espoir Matomba, est annoncé avec escale à Bomban où un meeting est prévu. Aux environs de 16h à Berthois, le meeting du candidat du PUR, qui va animer un meeting à Berthois avant de échanger avec la presse aux environs de 18h. Merci à vous, hein, Joseph Comenu. On va évidemment rester en contact pour avoir tout ce compte rendu dans toutes nos éditions d'information. Et on vous encourage vivement pour nous en rendre compte. Bonsoir. Olivier Macron, une réaction? Oui. Bonsoir, le plateau. Ma réaction est que la campagne est lancée. Les candidats se déploient progressivement. Je ne suis pas d'accord avec l'approche de ceux qui disent qu'il y a un problème de déficit de visibilité ou bien de crédibilité. Tout cela va progressivement et de manière crescendo souvent. Parfois, ça peut commencer un peu timidement, mais c'est progressivement que le déploiement se confirme sur le terrain. Donc, prenons notre mal en patience. Les candidats vont monter en puissance progressivement au fur et à mesure que les jours vont passer. Autre chose est que dire que les candidats passent et ils font une heure ou deux, s'arrête et puis délivre rapidement un message qui n'est pas perçu ou apprécié, ou compris des populations. Ça aussi, ce n'est pas tout à fait vrai. Puisque le message est délivré, tout dépend de son contenu. Le message de notre candidat, par exemple, Cabral Lébi, est décliné avec une certaine précision. On reviendra le message dans une seconde. Oui. All right, just give us a minute. Time good enough, we get the reaction of Marcel Litoué. He is our correspondent on the line to Kumba. Good evening, Marcel. Thanks for joining us. Good evening, Kita. Good evening, Vita. And welcome to Kumba. Yeah, we all know that campaigns started yesterday. How can you evaluate the campaigns in Kumba, which still remains one of the major flashpoints of the Anglophone crisis? Yes, in Kumba, the town of Kumba has still not experienced any serious campaign activities till now. You know, other towns were already prepared before the campaign, but Kumba had never witnessed any preparation of campaigns, which had made it very difficult to experience any campaign activity. However, we have experienced the presence of CPDM banners and post pictures of CPDM candidates in town today that are all posted around the city of Kumba. Apart from that, there is no other major sign of campaign taking place here in Kumba for now.
while we are still expecting that maybe in the days ahead, as we heard from the Member 1A Section President, I got on phone a few hours ago, very calm, and many people are not even talking about campaigns. Who told me that the prevailing situation does not warrant them to go out of campaigns as was expected, and that even if there will be campaigns, it will be in a very different way that they do not even want to explain to me how they are going to do it. You know, the situation here is quite different. Other places were prepared before campaigns, but Kumba, I've never seen any preparation for any political party to prepare to even come for a meeting. So there is just that calmness. People are not even talking about that. So we are still waiting that maybe now that campaigns have started, but we are surprised that even SDF, that is very strong here, has not indicated any sign of any political activity up to now. All of them are just calm. We don't know. We are still waiting. Okay, Marcel, thank you very much. We do hope to have you in our subsequent programs as well as the newscast. Okay, thank you. Merci, Marcel. On va donc poursuivre cette émission avec le troisième temps fort. Ce sera une forme de débat avec nos panélistes déjà présents dans ce studio. Alors, Abel Elimi Lobé, 24 heures après le lancement de la campagne, on peut confirmer que les choses sont véritablement parties, même si toutes les formations politiques ne semblent pas être sur le même pied d'égalité en termes de déploiement de ces militants. Nous savions que ça allait se passer comme cela, tant que face au RDPC, qui est une grosse machine et qui le prouve là, il y a un ensemble de partis qui refusent déjà. Point de vue purement intellectuel, et c'est une forme de malhonnêteté de reconnaître que l'adversaire qu'ils ont en face d'eux est un adversaire coriace, particulièrement implanté. Et les reportages que nous recevons, pour ma part, sont fort inquiétants. Sont d'autant plus inquiétants que des gens essayent de se débattre pour démontrer que une campagne qui dure 15 jours et que nous sommes à jour J moins 13 maintenant, parce que jour J moins 14 est passé. Nous sommes à jour J moins 13. On ne voit pas de visibilité sur le terrain. On voit des gens qui viennent sur des plateaux de télévision pour expliquer que chacun a sa stratégie. Mais nous dire que chacun a sa stratégie n'a aucune importance. Parce que, quelle que soit la stratégie que vous pouvez avoir dans une campagne électorale, cette stratégie-là nécessitera toujours que vous fassiez voir, que vous fassiez une forme d'opposition à votre adversaire sur le plan de sa visibilité. Or, nous constatons ici, d'après vos reportages, que là où on voit le RDPC, pour l'ensemble des reporters que vous avez pu avoir, on ne voit pas l'opposition en face. Eh bien, l'opposition peut prendre tout son temps. Elle risque de découvrir que la campagne électorale n'est pas éternelle, qu'elle n'a que 15 jours, et que chaque jour où vous n'êtes pas visible sur le terrain, est un jour où vous n'avez pas marqué les esprits. Et c'est d'autant plus important que l'idée de conjuguer les forces que nous avons appelé l'opposition à mettre en œuvre visait à pallier à ces insuffisances-là. Si on avait eu 8 candidats qui se sont mis en équipe autour de l'un d'eux, on aurait chaque jour 8 candidats qui seraient quelque part dans le pays, certainement avec une campagne bien organisée, un déploiement bien pensé, dans une région du pays, c'est-à-dire 8 régions chaque jour où on aurait entendu la voix de l'opposition en train de s'exprimer pour un objectif avec un capitaine d'une équipe cohérente
Et c'est ce que les 8 candidats nous ont refusé. Et c'est ce que les 8 candidats ont refusé de mettre en œuvre au profit d'une stratégie dont nous savions dès le départ qu'elle ne va pas tarder à montrer ses limites. Et vous dites donc que c'est le fruit, on peut observer les résultats aujourd'hui. Paul Didier Macron. Je pense tout simplement, pour terminer, je pense tout simplement que je ne serai pas surpris. Je sais, en tant qu'acteur politique, en tant qu'élu, en tant que quelqu'un qui a déjà fait 2 campagnes électorales, en tant que quelqu'un qui est sur le terrain politique des élections 10 ans depuis, je sais très bien que je ne vais pas m'attendre à quelque chose de spécial, malgré la propagande qui veut nous faire croire que le déploiement est progressif. Oui, le déploiement, mais je n'ai pas terminé. Vous terminez en 2 secondes. Mais je suis désolé, je l'ai. Encore. Vous terminez en 2 secondes. Et puis, de toutes les façons, ce n'est pas contre moi que vous vous battez. Vous vous battez contre un adversaire qui est présent sur le terrain. Et je prends acte que vous n'êtes pas présent sur le terrain. Et c'est ce que nous voulons regretter parce que l'opposition et son combat, c'est nous tous. Merci, merci. Paul Didier. Oui, je pense que notre président Kabal Ebi a fait 2 meetings retentissants aujourd'hui, dont le premier à Déa et le deuxième à Douala. Le troisième demain, ce sera dans le Mungu. Et après, on va continuer à l'ouest et ailleurs. Donc, le pessimisme de mon voisin de droite, bon, il peut l'assumer. Il le défend depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Je pense que nous ne sommes plus à cette époque ou à cette étape où on doit venir exprimer des regrets. Où se dit on aurait pu faire tel, on ne l'a pas fait. Ça n'a pas été fait. Maintenant, ce qui est en train d'être mené comme lutte, c'est de convaincre les électeurs d'avoir la majorité des suffrages. N'oubliez pas que nous sommes à une élection à un tour. Ça veut dire que si le premier a 10% de suffrages et le deuxième a 9%, celui qui a 10% remporte l'élection présidentielle. Je vous en prie. Donc, n'ayez pas l'impression qu'il faut dégager une majorité absolue pour être élu président de la République. C'est une élection présidentielle. Soyons-en conscients. Bien, maintenant, il ne faut pas aussi jouer au prophète de la démobilisation systématique. Parce que jusque-là, on a entendu beaucoup de paroles visant à décourager les électeurs, à les démobiliser. Mais finalement, je ne sais pas quelle est la posture de ceux qui défendent ce genre de choses. Vont-ils élire un président ou vont-ils choisir un candidat le 7 octobre? Vont-ils rester chez eux? Vont-ils s'abstenir? C'est ce que je veux dire. Ou vont-ils quand même se déplacer pour aller voter quelqu'un, on ne sait pas. Mais avec toute la campagne de démobilisation et de sabotage de cette affaire qui est montée depuis plusieurs mois, on se demande bien comment cela va se déterminer le jour du 7 octobre. De toutes les façons, on l'a observé, vous l'avez observé dans les médias traditionnels comme dans les médias sociaux, les populations se mobilisent chacune autour de son candidat. Et vous avez très bien observé que notre candidat, il a rassemblé des dizaines de milliers de personnes partout où il est allé. Il va continuer à le faire partout où il ira. Et on ira avec nos moyens. Donc, qu'on ne nous dise pas que nous sommes absents sur le terrain, nous y sommes. Et puis, n'oubliez pas que les électeurs ont un degré de cristallisation vis-à-vis de leur candidat. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas passé à tel ou tel endroit que forcément il va perdre. Ou alors, ce n'est pas parce qu'à l'inverse, tel ou tel est passé à cet endroit que forcément c'est lui qui va gagner. Le RDPC peut organiser 100 meetings par jour. Ce n'est pas pour autant qu'il sera voté. Lorsque celui qui cristallise les affections de ce côté-là va arriver, c'est bel et bien lui qu'on va choisir. Même s'il n'y est même pas arrivé, il peut, par la communication qu'il fait, comment on va dire, rallier un grand nombre de foules derrière sa cause et se faire choisir de ces gens-là. Notre candidat, Kabral Ebi, s'est fait connaître par les médias. Il n'était pas allé sur le terrain. Il se fait aimer à travers les médias. Donc, ce n'est pas forcément que vous êtes dans chaque village, vous faites un meeting tous les jours dans chaque village, que vous allez vous faire aimer et voter des électeurs. Je pense qu'il faut qu'on évacue ce genre de préjugé. All right, Mr. Killian, what evaluation can you make of the deployment of the SDF? We saw them yesterday in the Mungu, today they're in the western parts of the country. 2 days, perhaps very limited presence, visibility on the field, especially in the southwest region in Kumba, as you heard from the correspondent. What assessment can you make of your party? Yeah, before I actually make the assessment, I'm not at ease with the problem of visibility because the candidate that I represent here, who is O.C. Joshua, has been visible before the launching of the campaign. If most of the, as I hear the grandfather, the elder brother, Elimi Lobe saying, he should understand that Joshua had been even across the borders in Cameroon. Kabral Ebi, the same, has gone out of this country. The problem of visibility is the debate. I think we should be debating things now.
that can help us go ahead. Absolutely. And I want to say that for me, we should stop crying of things that have not been done, like the other co-panelists is saying. If you never had, if you were championing for a cause, we're in democracy. When you champion for something that eight candidates didn't listen to you, they have gone the way they have gone, we should stop coming on the table and talking about, crying about coalition that did not take place. It didn't take place. Cameroon has to continue. The election has to go ahead, and we will do what we have. I would have loved our elder brother Elimi to bring on the table his experience that he had in Social Democratic Front, or the one where he wants to go to, if he has to be an independent candidate, or like in Western democracy, you have people who don't militate. Me, I may be representing the candidate, but I'm not a militant of the Social Democratic Front. I may be a civil society activist, but I am a sympathizer of this candidate. This is what we should be talking to construct Cameroon, because we are going on political clans. And we, when you go on political clans, you would have done this. Cameroon does not advise. For me, our candidate nationally started the campaign yesterday. I still hear those kind of critics coming from him that it was kind of stoppages landing for a few minutes. Stops, it is a strategy. A party like SDF that is implanted since 1990 should have representative and wards and an electoral district on every places. The champion, the candidate who is standing there can pass just to have a communion with the people. It doesn't mean that business as usual of a political party, there are no representative of the SDF in those localities that will continue campaign business as usual. So when we come intellectually on the table like this, I think that what we can cry is, of course, there are young parties who are just created. They might not have the deployment over the national territory, but again, they have sympathizers, they have other parties that have joined them, and as we said, progressively, you will see them visible in the field. But what I generally criticism on opposition is that the means that they have, they will know. We should not come to that. The day we will have a real democratic Cameroon where there will be difference between the state and the party in power, we cannot complain. It's normal. The administrative, you will see that Yaounde is already vetted of the senior civil servant because they are automatically the militant of the ruling party. So it's normal for that to happen. You know the way the state is. The state is from the central to the local level. But is that CPDM presence not intimidating for you of the opposition? Let me tell you, in an eve of an election, you are talking about an electorate which is divided into two. First of all, the party has to count on its militant before sympathizers. Any party that is structured for a long time should have, whether there are 2-3 militants on each area, they have it. But now, the only thing is, what is the capital, the add value that you are going to add in all the areas that you are going to look for sympathizers? Those people, the difference is going to be on the content of the program. And I hope that on this table we should be talking now, what are the differences on the program? Absolutely. Than you didn't do this, or you're wearing a coat and this, it doesn't make any difference. Oui, je veux tout simplement dire que j'espère que tous ceux qui nous écoutent voient très bien la péremption avec le caractère péremptoire des déclarations des gens qui n'ont jamais fait des élections, qui sont très certainement à leurs très premiers engagements politiques, qui n'ont jamais souffert des échecs électoraux et qui pensent que parce que eux ils viennent d'arriver dans le combat politique, eh bien, nous sommes tenus de nous comporter comme eux qui n'ont jamais connu des échecs. Mais mes chers frères, c'est maintenant que vous venez de commencer à découvrir une campagne électorale. C'est peut-être la première fois que vous risquez d'échouer à une élection. Mais les électeurs dont vous parlez, ils ont déjà échoué 15 fois. Vous les connaissez tous? Bien sûr. Il n'y a pas de nouveaux? Non, mais même s'ils sont nouveaux, on ne peut pas être figé comme ça. S'il vous plaît, vous me parlez de tranches de 20 à 30 ans. Je ne sais pas si vous connaissez combien ils sont. Moi, je vous parle des millions d'électeurs qui, depuis 1990, se battent pour obtenir le renversement de ce régime auquel vous êtes venus vous ajouter. Et malheureusement, vous ne prenez pas conscience. Je pense que je suis électeur depuis 25 ans. Je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas. Non, mais on n'est pas nouveau. Je ne sais pas. Mais ce que je constate, et je veux vous dire, c'est que si vous estimez que
vous pouvez découvrir vos premiers échecs maintenant. Les électeurs camerounais qui veulent le changement se battent depuis 26 ans. Et parce qu'ils se battent depuis 26 ans, ils sont regardants sur la façon dont on fait ces élections. Ils regardent parce qu'ils ne veulent pas échouer la 16e fois et peut-être échouer de l'année prochaine la 17e fois et la 18e fois d'ailleurs, puisque nous avons deux élections l'année prochaine. Et il y a une espèce de souffrance lorsque on voit des gens qui peuvent, de façon aussi simpliste, organiser ce qui est connu comme étant le facteur essentiel des échecs à répétition. C'est la dispersion. Quand je vois, permettez-moi de finir. Quand je vois l'énergie, la force qui a été déployée cet après-midi au stade Sikan, qui me rappelle d'ailleurs les années 92, et qui me rappelle aussi que la popularité, qui est essentiellement un phénomène urbain, n'est pas l'élément essentiel de la stratégie électorale gagnante. Quand je vois ça, et je vois que dans le même temps, quand Cabral Libi déploie ce talent, et que dans le même temps, il n'est pas en train de le déployer ailleurs, là où il risque de ne jamais passer, et que dans le même temps, aussi est en train de déployer un talent qui ne se conjugue pas avec le talent de M. Cabral Libi, et que dans le même temps, M. Kamto est en train de déployer un talent qui n'est ni en train de se conjuguer avec le talent de Ossi, ni avec le talent de Cabral. Moi qui ai déjà échoué les élections 15 fois. Vous avez des frayeurs. Eh bien, merci. Je me dis, ces gens-ci, pour n'avoir pas accepté de conjuguer leurs efforts, ce débat n'est pas passé parce que c'est faux. Ce débat n'est pas passé. Il est d'ailleurs d'autant plus actuel. Ils peuvent encore, à ce moment... Nous ne sommes pas là pour écouter. Écoutez, vous pouvez ne pas vouloir m'écouter. Vous allez souffrir de m'écouter. Non, jusqu'au 6. Et même pas la force. Jusqu'au 6, vous êtes estimé, vous êtes optimiste pour voir éventuellement ces leaders. Non, il ne s'agit pas d'être encore optimiste. Il s'agit de dire qu'ils ont pris une responsabilité de se déchirer, de se diviser, d'éparpiller un électorat qui n'a pas les mêmes objectifs que eux. Notre électorat, celui qui veut l'éviction du président Biya, a un problème essentiel. Merci. C'est l'éviction. Ce n'est pas l'arrivée au pouvoir de X ou de Y au point d'accepter que X, Y, Z participent à l'éparpillement de nos forces. Dans le fond. Et les reportages que vous venez de faire nous montrent que l'éparpillement de nos forces est effectivement en place et elle va monter en puissance. Paul nous Didier, sommes à jour J, moins 13. Dans le fond, est-ce que les messages, les appels, lors des mobilisations que vous passez à tous ceux qui assistent là, avez-vous le sentiment quand même que certains décident? Est-ce que ces campagnes de séduction finalement se conjuguent en engagement vis-à-vis de la jeunesse qui semble se mobiliser? Mais écoutez, si le message ne mobilisait pas, on n'aurait pas eu autant de personnes pour venir assister au meeting de Cabral cet après-midi dans deux villes différentes. Ça veut dire que le message mobilise bel et bien. Ça veut aussi dire que la campagne de... Vous avez parlé de séduction un peu, mais de conviction, hein, et de mobilisation des populations n'a pas commencé hier. Elle a commencé depuis. Un travail de fond a été fait et c'est ça qui crée aujourd'hui toute la sympathie, n'est-ce pas, autour de ce candidat. Bien, donc, encore une fois, peut-être qu'il vaut mieux passer sur les questions de fond parce que ces questions de procédure, comme quoi on aurait dû. Qui sont pertinentes en cette période. Le candidat Cabral a proposé des solutions pour la coalition de l'opposition. Les autres candidats n'ont pas consenti, n'est-ce pas, à jouer ce jeu-là. Bon, c'est déjà passé, chacun a évoqué ses raisons pour lesquels ils ne pouvaient pas accepter telle ou telle procédure de désignation d'un candidat unique. Cela étant dit, on a dit que le candidat unique n'est pas un programme politique.
chaque candidat ou chaque parti ou chaque candidat a son programme politique et va être élu sur cette base. Et n'oublions pas, encore une fois, que nous sommes dans une élection à un tour, avec majorité simple. Ces voix qui s'éparpillent, elles peuvent aussi s'éparpiller au profit des candidats de l'opposition. Je veux dire qu'on peut arracher, n'est-ce pas, des voix, et on va arracher des voix au RDPC, qui n'aura non plus les 80 ou les 70% habituels, qui pourra tomber à 10%, tandis que le premier a peut-être 15% et le deuxième a peut-être 14%. C'est parfaitement possible. Donc on ne donne pas l'impression que tout est déjà joué, ce n'est pas vrai. Ces voix que nous avons là peuvent se diviser. Alors dans le fond, vos axes de campagne. Les axes de campagne, bon, je ne sais pas sur quoi vous aimeriez que je commence, mais je voudrais commencer par peut-être le plus important, ce qui concerne l'économie et l'emploi, n'est-ce pas, du plus grand nombre, notamment la jeunesse. Vous savez très bien que notre politique économique est fondée sur l'agro-industrie, la production et la transformation, n'est-ce pas. C'est pour ça que nous parlons de agro-industrie, parce qu'il y aura de la production agricole et la transformation sur les sites de production. Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons développer un complexe agro-industriel dans pratiquement chaque commune qui en a le potentiel. Et nous pensons déjà à 300 communes au moins sur les 360. Des grosses unités de production, comment on va dire, sur le modèle de EVECAM ou bien de SOSUCAM, qui pourraient à elles seules employer 7000 personnes comme le font ces grandes entreprises-là sur les sites où ils sont implantés. Si on démultiplie ce concept dans tous les autres arrondissements du Cameroun, on voit très bien que 7000 salariés par arrondissement, si on multiplie au moins par 300, ça nous fait un peu plus de 2 millions de salariés directs. Alors c'est la création de ces emplois directs-là, je parle de la production et de la transformation, qui nous permet donc d'avoir un socle économique important avec un effet d'entraînement positif sur le reste de toutes les activités que nous voulons mener. Évidemment, les formations que nous allons donner à la jeunesse vont être adaptées à cette demande économique que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied. Donc moi, je pense que c'est ça le débat le plus important maintenant. La question de savoir si on aurait dû coaliser ou pas, c'est des questions qui sont un peu passées. On veut savoir quel est le message des candidats et comment ils vont résoudre les problèmes des Camerounais. Ça, c'est pour ce qui concerne l'emploi privé. Ces entreprises agricoles vont être ouvertes par les deux partenaires habituels, sinon par trois partenaires. L'État est partenaire, le privé camerounais est partenaire, et puis les investisseurs directs étrangers. Nous avons pour ambition de créer 200 000 hectares de culture chaque année, à raison de 20 000 hectares par région. Je voudrais rappeler que 200 000 hectares, ça fait à peu près 12 EVECAM. Sous EVECAM, c'est 18 000 hectares. Donc si vous faites 200 000 hectares en un an, ça veut dire que vous créez 12 sociétés de cette envergure. C'est quelque chose de très simple à faire, surtout avec des partenaires étrangers, parce qu'en agissant en co-entreprise avec eux, vous avez la possibilité de faire une exploitation agricole sur de très vastes superficies et de monter des sociétés agricoles avec emploi salarié. Ce dont nous parlons là, ce n'est pas de la débrouillardise. Ça veut dire qu'au terme de notre mandat de 5 ans, on pourra aller à la CNPS et vérifier combien de personnes y sont effectivement, ont effectivement souscrit, n'est-ce pas, une assurance sociale, par exemple. C'est à partir de là qu'on va compter le nombre de personnes qui ont effectivement un emploi. Je ne vous cache rien. Dans ce pays, nous avons un taux d'emploi, parce qu'il n'y a même plus lieu de parler de chômage. On a un taux d'emploi de 700 000 salariés sur 11 millions possibles. L'État emploie 300 000 personnes. Et toutes les entreprises privées réunies emploient à moins de 400 000 personnes. Donc, quand je parle de 700 000 salariés, j'exagère forcément. Donc, nous sommes là dans une société où on n'est plus à parler, on n'est plus là à parler de taux de chômage, mais on est plutôt là à parler de taux d'emploi. Or, dans l'agro-industrie telle que je vous la présente, qui n'est qu'un seul pilier de notre programme économique, on a la possibilité de créer 2 millions d'emplois, ce qui permet donc de faire progresser l'emploi salarié et de faire aussi progresser la protection sociale. Parce qu'à partir du moment où les gens ont des emplois salariés, on prélève à la source pour leur assurer toute la sécurité sociale à laquelle ils ont droit, notamment l'assurance maladie, notamment le plan d'épargne logement, notamment la retraite. Parce que lorsque les gens sont dans l'informel, il est difficile de les pêcher là où ils sont pour aller prélever, n'est-ce pas, les différentes cotisations qu'ils doivent mettre dans la caisse d'assurance. Kylian, what has been the key message that you're selling, that your party is selling to the electorate? The key message that my candidate is based on what you call the political milestones, which is the acts they are talking in French. And those milestones are based on some macroeconomic indicators, the salary, consumption, production, investment, and the revenue. And followed by the 24 measures that you have. And those measures can be, at the same time, presidential acts or laws that are introduced through parliament to reform the actual situation we have today. You know, the bottom line of those economic
indicators is where are we going to get the money to finance the proposal that he's talking about. And you get to the budget of Cameroon, which is almost 70% consumption today. He's proposing it to be around 40-45%. It simply has to do with restructuring the headcount of the government, ministers from 60-something to 15, for example, closure of Enam. You see, those are just measures, but the macroeconomic indicators are going to be what? Salaries. What does he say about salaries? The next 5 years, he has to increase the minimum wage. Yeah. 160,000. Some people ask, is it doable? When you look at a budget of what is the gross domestic product of Cameroon, in 2015 it was 15,000 million and it's going to 20,000 million today. But when you look at the budget of Cameroon, which is almost 30% of that GDP, you understand that if you reduce the headcount of the government, you fight corruption, you can save around 1,500 billion from that budget. And you know what is the salary, mass salary of civil servant in Cameroon? It is around 300,000 million. So you see that if you can save 1,500 billion, you can be able to double salaries, for example. And then you fight corruption because the Cameroonian economy, as you see, is even more informal economy. When you look at it, the national statistics, because of corruption and the way the governance is, there are things that are not entering in the national accounting. That when you come and you change the attitude of governance, you'll be able to see exactly what is the national production. So the milestones around those indicators that he's proposing are going to be a lot of economic reforms, a lot of political reforms that are going to enable him to save money that will permit him to realize his program. We don't want to talk a lot in a lot of rallies. Those are messages that we will be passing. A blue economic blueprint of a social democrat program, which is giving the purchasing powers the possibility of economic growth. You know, when consumption is encouraged and is favored, you know what, there's a multiplier of investment and so on. But again, when you talk about investment, you be very careful. There is public investment and private investment. What are the economic measures that are going to be taken? Because the Cameroonian economy is dependent on the public sector. When you look at it, the private sector, even there is interference of the state. Instead of the state being what you call a regulator, the state is interfering and picking the economy the way the politician wants. You want his program is going to allow what you call the market economy to function, the market mechanism to decide for economic growth. Why the government intervenes just to regulate so that you don't have to the crises that are happening. So, Elie Midobe, on peut quand même remarquer que cette campagne est marquée par des propositions assez pertinentes. Non, elles n'ont rien de spécifique. Et c'est justement ce que nous voulions éviter en faisant en sorte que nos camarades de l'opposition qui ont choisi d'exprimer leurs ambitions purement personnelles en lieu et place de la recherche d'un intérêt général s'asseye. Parce que s'ils s'étaient assis pour se parler, ils se seraient convaincus mutuellement de ce qui n'est pas pertinent dans les propos de chacun d'entre eux. Regardez la légèreté avec laquelle des gens qui n'ont jamais dirigé une organisation, des gens qui n'ont jamais créé une entreprise, des gens qui n'ont jamais créé des emplois. Il vous parle de la création de 2 millions, 3 millions d'emplois. S'il te plaît. Quand vous avez parlé, non, je vous ai. Non, c'est pas possible. Même il faut si quand même respecter les candidats. J'estime que vous avez déjà peut-être que certains n'ont jamais créé les j'estime entreprises. J'estime que vous avez déjà peut-être eu... que certains n'ont jamais créé les j'estime entreprises. J'estime que vous avez déjà eu suffisamment, fallacy of composition. Suffisamment des cas de comportement vis-à-vis de nos compatriotes. Nous, on connaît quand même les candidats qui ont déjà créé les entreprises. Je ne sais pas. Oui, bon, vous ne savez pas parce que vous voulez pas savoir. Il faut le rappeler, chef d'entreprise. Et alors, monsieur aussi qui est chef d'entreprise... On ne peut pas dire ça sur un plateau. Monsieur aussi, qui est chef d'entreprise... Monsieur Akere, mais vous avez dit tout à l'heure que ils n'ont jamais créé d'entreprise. Vous allez réagir après. Je parle de vous. Mais comment vous pouvez dire vous me connaissez? Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. D'abord, vous allez prendre la parole après. Vous allez réagir.
Ça, si on vous donne ce pays, nous n'allons plus parler. Non, non, mais c'est okay, pas laissez donc que je dise que les personnes sans connaître les vous avez créé, vous avez créé des entreprises. Vos différents candidats. Il faut un débat de fond. Veulent créer des emplois pour le Cameroun et c'est une bonne chose. Seulement, vos candidats ne convaincront personne. Qu'est-ce que vous croyez? De la facilité avec laquelle vous allez créer 7 millions d'emplois. Certains en 5 ans, c'est-à-dire que le mandat est de 7 ans, ils vous disent d'ailleurs qu'ils ne vont pas faire 7 ans. Je ne sais déjà pas si entre vous, vous êtes d'accord, vous, du SDF, que le programme de monsieur du Parti Univers est un bon programme. Vous êtes d'accord avec lui que son programme est bon? Est-ce que ce monsieur du Parti Univers, il est convaincu? Vous ne parlez pas entre vous. Non, vous ne parlez pas entre vous. Olivier va réagir. Je termine en disant que je croyais que quand vous avez décidé d'être des candidats adversaires, quand vous vous retrouvez sur un plateau de télévision, vous allez confronter vos programmes entre vous. Merci. Je prends acte que vous êtes incapable de confronter vos programmes. Il y a des choses que nous sommes d'accord. Ah, vous êtes d'accord avec ça. Mais c'est ce que nous avons demandé. Mais c'est ce que nous avons demandé. Mais c'est ce que nous avons demandé. Puisque vous êtes d'accord sur un certain nombre de problèmes ou d'aspects, mettez-vous ensemble et donnez-nous ce programme-là qu'on le défende ensemble. Vous nous dites non. Vous ne vous mettez pas ensemble, mais en même temps, vous n'êtes plus adversaire. Alors, on sait quoi? On vous vote ou on le vote? Elim Bilobé, il répond. Paul, allez-y, oui, en 2 minutes. Moi, je constate que M. Elim Bilobé s'installe dans une espèce de cacophonie. Je pensais qu'on a invité les candidats et leurs représentants ici pour qu'ils disent aux Camerounais comment ils vont améliorer. On peut également inviter les voix dissonantes pour plus de clarté vis-à-vis des Camerounais. Une voix dissonante qui est dans l'esprit. Pour plus de clarté. Qui est dans l'esprit de la campagne qui consiste à dire aux Camerounais comment on va améliorer leurs conditions d'existence. Tous les Camerounais vont aller à cette élection. Les gens ne peuvent pas venir s'installer ici pour nous dire que bon, voilà. Non, mais quand c'est pas là le débat. Voilà. Laissez-nous s'exprimer et demander. Paul Didier, c'est nous qui faisons le casting. C'est nous qui savons ce que nous recherchons. Nous sommes en campagne électorale. Il y a 9 candidats qui ont des projets, mais il y a des millions de Camerounais qui se contredisent tous les jours qui vont aller voter. Et pour cela, toutes les voix doivent être entendues. Bon, et c'est pour ça que le casting essaie de refléter au maximum cette diversité d'opinions. Je préfère parler de notre candidat et de notre programme. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui est réalisable. D'abord, pour être un président de la République, il n'est pas nécessaire d'avoir créé des entreprises. Sinon, les François Hollande ne seraient pas président. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un programme économique. Il y a des entreprises agro-industrielles. Quand notre candidat dit qu'il est le Aïdjo des temps modernes, ce ne sont pas des choses qui sont dites en l'air. C'est parce que c'est le président Aïdjo qui a posé les bases de l'économie du Cameroun, qui repose précisément sur l'agro-industrie. Il a commencé à créer des sociétés agro-industrielles qui, jusqu'au moment où nous parlons, sont porteuses de l'économie du Cameroun. Je parle de EVCAM, je parle de la SOSUCAM, il a viabilisé la CDC, la SODECOTON, coton, la SODECAO et bien d'autres encore. Au moment où il partait, il avait près de 300 sociétés qu'il avait mises sur pied. Il faut intensifier cette dynamique. Il n'y a aucun développement sans développement de la production agricole. La richesse d'un État se mesure à la quantité d'hectares de terre mise en valeur de façon scientifique et technique. Ce n'est pas un choix ou bien une option qu'on a. Je voudrais bien qu'on me dise qu'on n'a pas créé telle ou telle entreprise. Un politique, c'est autre chose. Un politique n'est pas forcément un entrepreneur. Il peut l'être, mais il peut aussi être un juriste. Il peut aussi être un philosophe. Il peut aussi être un mathématicien. Il peut être toutes sortes de choses. Donc, c'est des choses qui existent déjà. C'est un concept qui a commencé à être implémenté dans les années 60 par le président Aïdjo. Il est question de le poursuivre et de l'intensifier dans toutes les communes du Cameroun, de façon à rendre même les communes autonomes. C'est-à-dire que dans chaque commune, on doit pouvoir trouver une entreprise et une unité de transformation. Dans quelle commune on ne peut pas implanter un type de culture donnée et une unité de transformation comme cela se passe à Niété? C'est parfaitement possible dans toutes les communes du Cameroun. Il faut que les communes deviennent autonomes d'un point de vue économique, qu'on crée des emplois locaux à ce niveau. C'est ça qui permet d'accroître la richesse d'une manière qui est considérable et de la redistribuer donc à tous les postes où elle doit être redistribuée, notamment les fonctionnaires dont on parlait tout à l'heure, notamment les infrastructures où il faut accorder de l'argent. Donc, ce que nous proposons par exemple, c'est que
au niveau des salaires des fonctionnaires dont nous parlions, qui sont relativement bas, c'est cette production accrue qui peut se réaliser en 5 ans. Donc, c'est le salaire des fonctionnaires, ben, oui, bien sûr. Ben, ces salaires-là augmentent au rythme de la croissance, c'est-à-dire que l'augmentation des salaires est indexée sur la croissance. Si nous avons de la croissance, les salaires augmentent. Mais si nous n'avons pas suffisamment de croissance, les salaires n'augmenteront pas. Et comme nous savons que le type d'investissement que nous allons faire, en quantité et en qualité, nous permettra d'avoir des taux de croissance que nous voyons ailleurs. Et même au-delà, parce que notre niveau d'investissement est tout à fait inédit en Afrique noire. Jusque-là, nous avons un potentiel agricole, mais qui n'est pas mis en valeur. Et qui ne peut être mis en valeur, notre richesse, que par la mise en valeur de cette terre. 17 millions d'hectares, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. Nous sommes à moins d'un million. Imaginez que progressivement, nous atteignions 1 million, 2 millions et 3 millions d'hectares de terre. Mais c'est des emplois qui se créent. Je vous rappelle, M. Elimbi, que par hectare, on a besoin d'un travailleur. Nous ne sommes pas là pour bavarder. Par hectare, on a besoin d'un travailleur. Donc, chaque fois que nous mettons en valeur scientifiquement et techniquement un hectare de terre dans le cadre d'une entreprise agro-industrielle ou alors des petits producteurs, mais qui se battent avec des moyens scientifiques, on est en train de créer un emploi. Il n'y a aucune solution à faire. Il y a Kylian. Pour réagir. Donc on ne dise pas que c'est impossible, tout cela est parfaitement possible et je voudrais réitérer ici qu'il n'y a aucun moyen de procéder autrement. C'est la source de la richesse qui va donc être transformée et redistribuée ailleurs. Merci Paul. Il y a Kylian Yotik. Oui, moi je veux un peu parler en français parce que monsieur, mon grand frère Elimbi Lobé, franchement il faut qu'il ait du respect pour nous. Quand je le vois dire qu'il a échoué beaucoup de fois, il se met en Camerounais, il nous met à côté. Il ne connaît pas mon âge aujourd'hui. J'ai été en électeur depuis longtemps. Et j'ai aussi échoué comme lui. Il ne faut pas qu'il vienne dire aux les gens qui nous suivent que les autres là n'ont pas créé des entreprises, encore moins qu'ils ne me connaissent pas. C'est là où je trouve que c'est la magie. On ne peut pas se voir le même jour et vous me connaissez, vous dites des choses sur moi. C'est impossible. Encore moins que vous connaissez moins les candidats. Parce que j'entends là vous dire que non, ils n'ont jamais créé des entreprises, alors que nous savons que parmi eux, il y a certains qui ont créé des entreprises. Il faut commencer la communication par faire une différence. J'arrête là-bas, je ne veux plus continuer. Je voulais dire que en ce qui concerne le candidat que je soutiens, sur le mot de la fin, oui, il a un profil complet du secteur privé et public. Vous savez bien, il a créé une entreprise de masse. Hein? Je ne parle pas d'une entreprise d'élite, parce qu'on peut avoir des cabinets, des consultants, c'est des entreprises d'élite. Et puis après, il a un record sur le secteur public. Il devient député, il a d'abord milité dans un parti politique. C'est ça. En plus de ça, vous voyez donc ce que je venais de dire, que les actes politiques, ces axes politiques sont quoi? C'est les salaires, ça, c'est les indicateurs macroéconomiques, c'est la consommation, la production, l'investissement privé. Et à l'intérieur de ça, les 24 points qu'il met, ça sera un peu des actes politiques et même des projets de loi qui seront proposés pour réaliser son programme politique. Merci. Right, thank you very much, Mr. Kylian Nuisevi, as well as Elimbi Lobé and Paul Didier Macon. We thank you very much for being with us. And to you, our televiewers, we also thank you for being with us on this edition of Destination Today. Special thanks go to our correspondents of the night, Marcel Itoua, Afa Amadou, Joseph Kemunye, as well as Flo Kenye in Bafoussam. We ask you to take the rendezvous tomorrow with another candidate as well as another team for the debate. From us here is good night, Peter. Il faut également préciser que nos émissions vont monter en puissance. Dès demain, 8h, 8h26, vous aurez le journal qui sera consacré autour de la campagne électorale. L'agenda des différents candidats se sera présenté dès la matinale. Et puis, 13h, 14h, Henry Wanan va également faire un plateau spécial autour de cette campagne. Dès 20h, Peter Associé, moi et d'autres invités seront encore là pour Destination Étudie. Bonsoir et à demain. STV, votre télé.